Il y a beaucoup d'impayés et il faut revoir la façon dont le Collègue Corbett. Année après année, certains États membres semblent prêter davantage d'attention, que dis-je, une attention exclusive au niveau des dépenses dans le budget européen, et ils ne tiennent absolument pas compte de la teneur. Toutefois, selon moi, les deux choses vont main dans la main. Nous ferions mieux de nous pencher sur la teneur. Si nous pouvions utiliser le budget européen pour les postes de dépenses ou en dépensant à l'échelle européenne, on fait des économies au plan national en évitant les doublons et grâce à des économies d'échelle, eh bien, il y aurait davantage de consensus quant à l'utilité du budget de l'Union. À cet égard, je pense que la croissance ces dernières années du budget recherche et développement, qui est un cas manifeste de une façon de regrouper les ressources pour tirer meilleur profit des dépenses, eh bien, c'est quelque chose qu'il faudrait invoquer plus souvent dans les débats nationaux, notamment dans mon pays. Onorevole Harkin. Thank you. I voted in favor of the two. Merci. J'ai voté pour les deux rectificatifs et comme tous les autres parlements, je voudrais bien qu'il y ait un meilleur budget. Mais rappelons-nous que c'est l'argent du contribuable.